Madame, monsieur, bonsoir, yon plaisir, on l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info, c'est premier sorti nous pour ce maintenant et nous souhaitons nous passer yon bonne semaine. Moi, c'est Jacqueline Belizer, quelques nan grand point cap dominé actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, où le commandement de la police nationale a convoqué une réunion d'urgence pour une première information et l'ouvrir une enquête sur l'assassinat de 3 policiers dans Delma 18 dans l'embuscade Gangame. Toujours dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conille, qui quittait l'hôpital après un malaise, continue à travailler sous formation et au cabinet ministériel. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, trouvé en Israël, côté l'a fait plusieurs rencontres dans le cadre d'une recherche et d'un cessez-le-feu entre Hamas avec Israël. En France, président Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale après défaite dans l'élection européenne. Premier tour élection législative avant l'heure, fixé pour 30 juin Kavinila. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, mais actualité à mener d'abord dans le pays d'Haïti, côté au commandement police nationale là, les mêmes convoqués une réunion d'urgence pour capable, d'après sa responsable, dit pour une première information et l'ouvrir une enquête sur 3 policiers qui mourent dans Delma 18 dans une embuscade gangamé. Massado Vilme, depuis Port-au-Prince. Sommeil! Chaque jour, il vient à m'aider nous! Moi-même, je vais demander justice pour les gens qui mourent hier! Nous demandons justice pour Solino parce que c'est pas celle nécessaire qui vient mourir Solino. Nous avons des gens qui mourent Solino. Matin, midi, soir, nous avons des gens qui mourent. Nous demandons c'est pour barbecue, cherche un côté de chita. C'est barbecue, voler, magie, qui empêche nous vivre matin, midi, soir. Nous demandons démission, elle, bien immédiat parce que c'est lui-même qui a toléré un gang dans le pays. Nous disons qu'il faut quitter quoi Italie. Solino est diamant volé. Démission, elle, et puis PM Gaël, pour nous avoir nos deux bagailles. Que nous tirons avec nous. Et puis deuxièmement, recrutement. Non, l'armée a bougé. Nous avons à voler ça. Et bien après, midi, on a demandé Frézel B. Faut pas dire, pas le Frézel B. Parce qu'elle nous dit, nous ne pouvons pas perdre quoi Italie. Faut que nous devions quoi Italie. Tout de suite après Drame Silla, il y a un responsable syndicat national policier haïtien, Lionel Laza, qui m'a demandé aux policiers au bout de toute activité la police prévoit réaliser dans l'occasion 29e anniversaire institution 12 juin qui est venu là. Pendant les mandés pour des changements qui fait dans tête au commandement police là. Les policiers ont presque pas de confiance de un série de monde qui n'ont au commandement la police là. Et donc nous croyons que je dis à la pays a pas qu'attendre encore, je dis à la police pas qu'attendre. Si toutefois que pas de changements qui fait ni Sinapoa ni SPNH nous sommes capables de prendre des décisions côté que nous parlons. Et entendre-nous avec les policiers pour nous garder qui ça va faire. Et ensuite, tout nous-mêmes nous opposer catégoriquement avec les questions faites dans la police. Je dis à collègues, nous pas à mourir, et puis tout, pour équipe, moun, soit dans le gouvernement ou bien dans le commandement de la police, pas le Chita Academy. C'est comme si nous considérions et du 20 que monsieur pral parle, c'est 100 collègues qui après. Donc, l'important pour nous dire, policiers, pour nous parler pour la pièce convocation pour ça qui vient pour la fête. Nous-mêmes, dans Sinavoa, nous demandons pour camper, faites ça, parce que nous avons un cadavre, deux collègues nous, qui nous ont bandits, 12 juin, en nous pitons mener opération pour aller récupérer le cadavre collègue nous et puis tout garder tout comme on est capable de mettre en fin dans sa capacité. Gagne tout Office Protection Citoyen OPC à travers une note pour la presse qui allait dans le même sens là, qui m'a dit qu'il y a un changement dans la tête de la police là. Toutefois, dans une vidéo pré-enregistrée qui est publiée sur le site Télévision Nationale PIA, TNH, porte-parole police la Gary Desrosiers fait connaître. Il y a une instruction qui paye pour une enquête qui l'ouvre sur l'assassinat de 3 agents Itagio. Pendant Jimmy Cherizier alias Barbecue déjà revendiqué Zaxila. Direction générale là, attend rapport. Commandement juridiction yo, et commandant Itag là. Et direction générale police nationale là, présenté sympathie à parents, à collègues, amis, famille, 3 jeunes policiers ça yo. Et toute disposition à prendre pour accompagner parents yo cap traverser un moment si difficile. Dans la nuit de drame, le Conseil présidentiel transition dit indigné après l'assassinat des policiers Itagio et puis réitéré engagement pour renforcer capacité opérationnelle force publique dans le cadre de l'élite et mener contre action gang. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Merci, Massado. Et l'autre point qui était dominé actualité pendant le week-end, c'est malaise Premier ministre Gary Conille qui a quitté l'hôpital, mais il est toujours en bas pression pour lui former un cabinet ministériel. Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince.
Premier ministre, santé, santé, Premier ministre, en forme. Premier ministre Gary Conille quitté l'hôpital, l'été logé à, et il fait qu'on est en pleine forme. Moi bien, grâce à Dieu, moi en santé jodian, moi pas dans combat. C'est déclaration chef gouvernement fait dans une vidéo qui publié sur chaîne YouTube. Pour Gary Conille, sort-il de l'hôpital là, c'est une bénédiction, bon Dieu, qui incite le réfléchir sur le problème santé paysan. 75% de l'infrastructure sanitaire, 75% de l'hôpital, la clinique dans le pays, pas accessible. L'infrastructure pays a fini crasé. Mon qui besoin pour l'hôpital général, il n'est pas capable. Mon qui besoin pour un centre de santé, il n'est pas capable. Situation ça n'a pas qu'à continuer encore. Je fais tout hier soir, je me mets des points. Est-ce que mon Dieu va avoir une bénédiction? Ça a son Jean pour montrer qui ça qui est important pour attaquer tout de suite. Est-ce que c'est pas dire que la première priorité c'est attaquer la question de santé? Ça. Santé dans la tête, mon Dieu. Pour ne pas bêcher dormir chaque soir avec inquiétude, avec stress. Santé dans la ventre, mon Dieu. Avant malaise, le Premier ministre Gary Conille visite l'aéroport international Tocel Ouverti dans Port-au-Prince samedi 8 juin. Visite ça, te gen pour objectif faire une idée de fonctionnement plateforme nan, qui était fermé pendant 3 mois en raison attaque bandit Améo contre installation ça. Premier ministre Gary Conille était accompagné de plusieurs personnalités, parmi eux conseiller présidentiel Dr Louis Gérald Gilles et directeur général autorité aéroportuaire nationale Yves Ducamel François. Pendant visite ça, il était inspecté tout Office national aviation civile OFNAC avec nouvelle tour de contrôle là cap construit et qui presque fini. Parallèlement, liste personnalité qui fait partie du nouveau cabinet ministériel là, toujours pour courant public. Plusieurs rencontres organisées entre conseil présidentiel là, premier ministre Gary Conille. Si cabinet ministériel là pour publier, cependant, portefeuille qui attribué à secteur yo connu. Petite Dessalines, gain ministère agriculture, environnement et des raids compromis historiques hérités de défense. Montana, gain ministère éducation nationale, culture, communication. Accord 21 décembre, bénéficier de ministère santé publique et population. Ministère conditions femmes et droits femmes, et ministère sport, yo même, pour qu'on gagne secteur qui mette main sur yo. Ministère régalien yo, sous contrôle pour le ministre Gary Conille, c'est ministère économie et finance, ministère affaires étrangères, ministère intérieur, et ministère de la justice. Collectif 30 janvier, dit lui-même, li retire l'école dans le gouvernement. Yo rencontre prévoit, dans le commencement semaine ça, entre premier ministre Gary Conille et membre conseil présidentiel là, dans l'idée pour finaliser cabinet ministériel là, qui t'a doué publier semaine ça. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, Conseil national, société civile, la mandé, défenseur, la culture, à travers le monde, pour lever, camper contre toute décision qui visait faire ministère culture et communication, ta fond, en d'un ministère éducation nationale et formation professionnelle. Bonjour à Toussaint, c'est correspondant à nous, dans Port-au-Prince. Rapport ak démarche premier ministre nommé Gary Conille ak membre conseil présidentiel transition entreprendre sous question qui lié à réduction ministère pour jumeler certains ministères à yon lot parmi yo ministère la culture et communication qui t'a supposé faire yon seul ak ministère éducation nationale ak formation professionnelle soulever réaction négative bon côté conseil national Société civile haïtienne que Joseph Domingue Ogela a dirigé. Le ministère de la Culture son ministère capable de renforcer par rapport à gens haïtiens à vivre. Gens haïtiens pas comprendre l'identité. Gens ont perdu l'identité. On a de renforcer au lieu de ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Culture de la Communication et de la Citoyenneté. Parce que nous vivons dans un moment, nous presque pas comme ça nié. Donc, il y a si yo vin là, nous quitter yo. Faire même ministère de la culture, il paraît stamba ou l'autre. Parce qu'il va dire ministère de la culture et l'éducation nationale, il va dire ministère de l'éducation nationale et de la culture. Maintenant, nous disons nous-mêmes nos comptes fusionnement ça, mais pas gros que problème sur l'autre regroupement qui avait été fait, depuis qu'il est bien fondé pour nous montrer que pour qui ça, mais nous-mêmes, comme défenseurs de la culture, comme défenseurs des biens matériels et immatériels du peuple haïtien, nous confusionnons ça, nous pensons que c'est un affrontement. Joseph Domingue Ogela mandé défenseur la culture à travers le monde pour lever campé contre une telle démarche. Nous avons défendre le patrimoine haïtien, n'est pas normal. Parce que nous avons regardé ça qui est en bas du ministère de la culture. Biotechnologie, c'est en bas du ministère de la culture. Théâtre national, c'est en bas du ministère de la culture.
presse nationale Zimbabwe, c'est bibliothèque nationale, dispense Zimbabwe, hein, nous prenons Mipana, nous prenons archives nationales, nous prenons radio nationale, télé nationale. Et puis je veux dire, pour relever, tout ça qui concerne, nous prenons BNL, nous prenons, comment on va gérer quelque chose ça? Nous pensons que ce n'est pas normal, et nous-mêmes nous faisons tirer une sonnette d'alarme. C'est vrai, gagner un engouement pour nous faire un engouement. C'est bien, mais ministère de la culture, là, ça nous complique, et nous demandons à tous les défenseurs de la culture pour lever voyous, pour ne pas faire comme si on ne pas comprendre, parce que ça, c'est un mauvais signal pour la culture haïtienne. Premier ministre nommé Gary Conny proposait pour Yota réduire la quantité ministérielle à 13 au lieu 18. Wena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours concernant un nouveau premier ministre, là, il y a plusieurs organisations dans Gredas qui saluent et compétences et Gary Conny et lui demandent tout que pour yo et faire attention à question pour retirer indépendance ministère conditions femmes, acte droit femmes dans formation gouvernement lien côté yo demandé faut quota 30% respecté. Nous gagne depuis Jérémy dans département Gredas, Mackenson Charles. Pendant des bails, on a continué sous formation nouveau gouvernement Dr. Gary Conny pral gagner pour diriger dans le pays d'Haïti. Côté gain possibilité pour réduire la quantité de ministères qui existaient, diverses organisations dans le département Gredas qui regroupaient eux, profitaient d'énoncer pendant le week-end, dans le cadre d'une conférence de presse, manœuvre qui t'a faite pour craser ministère conditions femmes et droits femmes, s'allier premier ministre qui tournait sous décision ça, et Mandeli respecter quota pour plus petit 30% femmes dans le gouvernement et dans toute administration publique là. Marie Ozorbou, c'est coordonnatrice COFADGA. Eh bien, t'as mobilisé pour nous faire prendre la rue aujourd'hui pour une décision arbitraire qui t'a gagné à prendre pour craser ministère conditions féminines. Nous profiter, féliciter Premier ministre Gary Conny, qui coûtait la raison, qui tournait sous décision ça. Parce que nous n'avons pas prêté bras croisés pour nous quitter, à craser le ministère conditions femmes qui sont acquis, qui sont résultat bataille, un paquet de femmes, organisations femmes menées depuis longtemps. Je dis pour nous gagner le ministère ça. Donc, eh bien, nous continuons la bataille là. Pendant que nous avons demandé CPTA, nous avons demandé au Premier ministre pour femmes intégrer le nouveau gouvernement. Ça. Directrice départementale, ministère conditions femmes et droits femmes dans le Gredastan, Mme Kerline Gaspard plaide en faveur de l'autonomisation femmes et demande augmentation dans le budget ministère qu'elle fait partie hein, pendant les courriers quota pour plus petit 30% femmes. Nous avons un budget ministère conditions féminines qui est toujours à 0 point. Et pour qui raison le budget a toujours comme ça? C'est parce que vous parlez de femmes avancées. Vous parlez d'autonomie femmes, non. Mais je voulais vous dire, nous voulons et nous demandons, ministre, et comme vous m'avez fait la fin de deal, quand la femme, non, il faut le respecter en dans tout ministère. Et nous demandons tout, pour le ministère des conditions féminines, capable de plus de femmes. Plus garçons qui travaillent là-dedans. Bon côté pas coordonnatrice COFADGA Nestie François, ensemble avec ancien conseiller électoral Rosemène Pierre qui représentait le secteur Vaudou, a payé quota pour plus petit 30% femmes. Depuis Jérémy, Mackenson Charles pour VOA Créole. Oui, au sous VOA Créole, on a suivi un programme dans langue créole haïtien, rete branché. Pendant des bails, on a continué sous formation nouveau gouvernement Dr. Gary Conny Pralguin. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer ou n'apprendre dans l'actualité internationale là, côté dans le pays, la France, dans l'Hexagone. Eh bien, président Emmanuel Macron dissoud l'Assemblée nationale là, après défaite dans l'élection européenne. Donc, premier tour élection législative avant l'heure. Eh bien, prévoit pour 30 juin. Sandra Lemaire, gain détail. Extrême droite là fait gros avance dans l'élection parlementaire Union européenne. Now, this election has given us two messages.
Il dit élection, ça a envoyé deux messages banaux. Premièrement, majorité centriste là, rété pour une Europe jam, et ça essentiel pour stabilité. C'est-à-dire, centre là, kembe là. Mais livrer tout que extrémisio sous bon gauche, à droite là, augmenter support yo. Donc, c'est peut-être ça, résultat yo vini à gros responsabilité pour parti centrisio. Nous, ka pas d'accord sous question individuelle, mais nous tout gain intérêt pour une gain stabilité. Et nous tous voulons une Europe qui est puissante et effective. Il y a deux parmi les deux pays importants Europe là qui prend gros coup. Président français Emmanuel Macron et chancelier allemand Olaf Scholz. Non, la France, parti Rassemblement National Marine Le Pen, tellement dominé l'élection dimanche là que Macron a dissous le Parlement national là tout de suite et puis lancé appel pour organiser nouveaux élections. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. C'était un coquin chaîne risque parce que Patili t'a capable perdre plus sièges toujours et puis ankylosé pendant reste mandat présidentiel Léa qui supposé prend fin en 2027. Le Pen t'est content accepter défi. Le président de la République répondant à l'appel de Jordan Bardella vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, tant qu'on est capable, c'est président français Emmanuel Macron qui décidait de dissoudre l'Assemblée nationale. Dans la rue nationale. Paris, électeur français au bail. Déclaration Sayo. Je ne comprends pas le calcul politique. La France, elle a des institutions solides, la Ve République. Il fallait faire confiance aux institutions. Lui, il a. Je ne sais pas. C'est. Du début à la fin, ces quinquennats sont perturbants pour la société française. Nicolas Desurmont lui-même dit événement politique yo drôle. Les événements politiques d'hier sont atypiques. Je crois que c'est un signal fort qui est donné au gouvernement. On a beaucoup de sujets, des crises sociales, environnementales, des crises d'entrepreneuriat en France. Et ces votes reflètent, je pense, une forme de malaise. Mais je ne doute pas que le gouvernement, avec la dissolution et le fait de reconvoquer tout le monde aux urnes, ça permettra de repartir de l'avant. Et je reste très confiant sur la capacité des Français et des Françaises à trouver de nouvelles solutions pour les années à venir. En tout cas, hier soir, j'ai été réveillé par quelques manifestations et je sens le peuple français gronder, notamment s'inquiéter de la montée des extrêmes. Dans l'élection législative qui était déroulée en 2022, parti centriste Macron remporté plus fort siège, mais il était perdu majorité dans l'Assemblée nationale. Là. Ça a été forcé parlementaire, yo, fait en pile manœuvre politique pour adopter loi. Décision dimanche là représentait non seulement un gros risque qui était capable bien compter, mal calculer, mais tout augmenter chance pour Le Pen prendre pouvoir éventuellement. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. On a quitté l'Europe et actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté secrétaire d'État américain. Anthony Blinken rencontré avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec le président égyptien Abdel Al-Sisi, dans le cadre de virer la fin dans la région Moyen-Orient pour encourager un cessez-le-feu entre Hamas et Israël. Jean-Robert Philippe. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvé dans le Moyen-Orient côté la présenté plan cessez-le-feu président Joe Biden fait mois passé pour mettre une fin dans la guerre qui a déroulé dans le territoire Gaza depuis 7 octobre 2023. My message to governments throughout the region. Numéro un département d'État qui te prend la parole après rencontre de gagner avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi dans la ville de Caire déclaré Hamas c'est celle partie qui peut être d'accord à proposition de cesser le feu Biden. Une proposition administration dit Israël déjà accepté. Message moins pour tout pays avec peuple dans la région. Si nous voulons cesser le feu, mettez pression sur Hamas pour dire oui. Président Sisi déclaré l'important pour lever obstacle qui empêche assistance humanitaire de joindre la population dans Gaza.
Dans la ville de Rafah, côté force israélienne a mené une offensive, malgré l'opposition à la Maison Blanche, résident de faire connaître les soldats israéliens rentrés plus fond en direction nord, bonheur lundi 10 juin. Résident yo dans Nusayrat, dans nord de Al-Bala, continue à retirer des bruits contre les soldats israéliens libérés, 4 otages samedi. Force israélienne a fait connaître au courant qu'il y a une centaine de Palestiniens qui mourent pendant l'opération, mais ils n'ont pas capable de dire combien parmi les victimes qui sont militants. Jusqu'à l'envoi chef diplomatie américain dans le Moyen-Orient, Israël et Hamas retournent sur la position ligne dit qui empêchait une fin dans la bataille. Il y a un merveilleux, même comme chef gouvernement israélien déclaré hier dimanche là par famille israélienne qui mourit dans le territoire Gaza. Engagement nous, c'est victoire totale. Qui ça qui est dans la discussion? C'est demande à Hamas faire pour mettre fin à la guerre sans nous pas atteindre l'objectif non pour éliminer Hamas. Non, on n'est pas paré pour faire. Bon, au départ, Hamas mandé l'administration américaine pour mettre pression sur les occupants israéliens pour suspendre la bataille dans le territoire Gaza. Et laisse ça, mouvement lui-même, l'appareil pour négocier positivement n'importe entente qui visait mettre fin à la guerre qui rentrait dans le 9e mois. D'après déclaration, Samou Abou Zouri, un officiel replacé à Masfer by Agence Nouvelle Reuters. החלטות אסטרטגיות גורליות נתקלות בהססנות ודחיינות משיקולים פוליטיים. בני גנץ, יום סנטריסט פופילן, הקבינט הגה ישראליין דימשיוני, דימשיוני, נסל דקרי, אישק גוברמן ישראליין פול פרזנטי יום פלן, פום מטפה נגיה. Décision ça, la Premier ministre de Netanyahou n'a même allié Zel Douat Lio qui menaçait pour craser le gouvernement s'il d'accord avec une entente Cap Kembe Hamas sous pouvoir. Jobert Philippe, Vieux Creole, Maryland. Et puis, dossier guerre Israël-Hamas, on a transporté soutien au Moyen-Orient pour nous mener dans Washington. D'ici, nous allons rejoindre Marie-Louise Pierre. Groupe défense avec militants tant que Codepenc, un conseil pour relations islamiques américains, t'es dit vendredi que manifestation qui était planifiée pour samedi qui s'est passé à, ça qui marquait 8 mois la guerre israélienne à Gaza, qui détruisait plusieurs dizaines de milliers de monde, pendant y a la cause d'une crise humanitaire à grand goût tout partout avec destruction. Samedi, manifestants ont chanté, ont pris les biens forts, et puis ont marché dans quelques parties dans la ville là. Washington a vigilé tout près Maison Blanche pour bloquer pont à route tout près station train à aéroport dans plusieurs villes à campement dans pile campus université. Au moins 8 autorités qui quittent l'administration président Joe Biden ont cité opposition yo contre politique là manifestant yo tout dérangé quelques événements campagne réélection Biden yo Biden connaît la. Voilà, donc c'est situation dans Washington, toujours avec dossier guerre Israël. Hamas n'a pas entré ici aux États-Unis, n'a pas parlé de justice. Et bien, procès, petit garçon, président Joe Biden, Hunter Biden, qui vient dans l'autre phase, côté que n'a pas parlé là, jury a délibéré sous cas. Et n'a pas rappelé que la justice a accusé M. Hunter Biden d'est-ce que l'État prend drogue, l'élite a acheté yon ZAM en 2018 et accusé à pas obligé de témoigner dans le procès, souvent avocat conseillé pour ne pas témoigner parce que ça a une accusation, opportunité pour le poser, il n'y a pas de questions. N'a pas rappelé qu'il y a 3 chefs d'accusation qui ont pesé sous dos Hunter Biden par rapport à qui on a été acheté dans le mois d'octobre 2018 et il était quimbé pendant 11 jours. Avocat accusation dit qu'il était menti dans le document qui obligé de remplir les achetés d'armes. L'élite dit qu'il n'a pas servi à drogue illégale et qu'il n'a pas d'addiction à drogue non plus. Et puis, dans le dossier élection, il cite aux États-Unis ancien président Donald Trump, il est trouvé dans Las Vegas, Nevada, côté il critiquait président Joe Biden pour politique migratoire. Il précisait que plan président Joe Biden, non, eh ben, c'est un plan qui pas campé soyen, qui faible et qui inefficace. Et l'idée salsien, c'est un paquet bagaille tête chargée. Nevada, c'est un état clé dans l'élection qui prévoit pour dérouler 5 novembre 2024. Et en parlant de M. Donald Trump, eh ben, il a mené campagne électorale malgré qu'il n'ont pas qu'à démêler avec la justice. Valérie Seloui, depuis New York. Ancien président américain Donald Trump a fait face à la possibilité pour le taper en prison
après que un jury dans New York te condamné pour t'être falsifié dossier business li dans un procès criminel. Processus légal là mettait en pile incertitude sous déroulement campagne électorale là. Et puis ça a affecté chance li dans élection qui a venir là yo. Yo te joine Donald Trump coupable de fraude dans dossier business li yo dans cadre d'un complot pour supprimer information qui t'a dommagé réputation avant élection 2016 yo. Condamnation pendant la campagne présidentielle, ça fait un pile moun a posé question sous façon Donald Trump pour continuer campagne ça, si vous voyez en prison. Ancien prosecrétaire fédéral, Stephen Cohen, lui-même lui pas quoi que Donald Trump pour en prison. There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal. Pour gain en pile motion après jugement et puis après ça pour gain contestation et puis contestation légale ça pour durer plusieurs mois. Il a même duré plus passé une année. Qui donc moi penser que ça après créer plus l'obéit politique que l'y alimenter vraie histoire. Au moins au commencement, sous sort Donald Trump là face à conséquence condamnation. Verdict condamnation Donald Trump là fixé pour date 11 juillet. Expert légal yo dit en pile chance que longueur en prison que l'y taka prend, taka pour pipiti maximum 20 années par rapport à accusation yo. Joseph Tooley, c'est un avocat défense criminelle. Given his age, given his lack of... Vu l'âge, li, le fait que le pas gagne un passé criminel et avec résultat jugement ici là, il vraiment voulait dire que li actuellement pas gagne en pile punition. Punition qui est très minime. Alternative à prison inclut probation. Prison à domicile, qui veut dire fermer la caille, li pas qu'à sauter. Avec tout amende pour le tapayer. Mais il peut sembler que quelle que soit sentence qui prend le bail là, l'a tombé jusqu'après processus légal appel là. Qui doit arriver après jouer l'élection en novembre. Quel mois prochain, il pral influencer sentence cap gain pour le prendre dans trois autres cas criminels qui toujours en attente contre Donald Trump. Prit Barra, ancien avocat américain pour District City New York, l'a dit. The fact of this conviction here, if it's le fait que condamnation ça, s'il est toujours dans l'archive dossier, il y a la cause du potentiel sentence prison plus élevé dans l'autre cas yo à l'avenir. Il y a une conséquence parce que Donald Trump pral kounia, contrairement à avant, il y a un dossier criminel. Et puis dossier criminel, la justice prend en considération les la baille sentence à finition. N'a précisé que parmi l'autre accusation fédérale que Donald Trump a fait face avec yo, jugement est à Floride là qui impliqué dans mauvais traitement document classifié yo. Dossier judiciaire ça lui-même l'a traîné, li en état plus toujours. Pour VOA, Trina Ten, adaptation pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Et puis, on a point d'actualité internationale, là, il y a un trafic d'armes illégal qui a sorti des États-Unis, qui a un gros impact sur le pays Amérique latine et Caraïbes. Mexique continue à lutter contre le problème, ça. Détail avec Gentil Augustin Junior. Une augmentation d'armes qui sorti aux États-Unis, créé problème pour voisins géographiques liés dans l'Amérique latine et Caraïbes. Côté État qui moins développé, yo, a lité pour gérer quantité d'armes qui a entré dans le pays, yo, a crime la cause. Sous partie site frontière Mexique, là, gouvernement mexicain a estimé que 200 000 armes entrent illégalement chaque année. C'est un problème grave. Trafic d'armes dans Mexique, c'est un gros problème grave. 70% des armes cartel yo sorti aux États-Unis. Yo disponible dans tout pays ya. Et puis qui te criminel yo nan en pile cas qui pi bien équipé par ses forces sécurité locale yo. Gen même groupe WhatsApp dans Mexique qui dédié seulement nan vend zam à fait illégal. Problème ça yo te poussé gouvernement mexicain yan pote plainte contre industrie zam à fait américain yan. Ak pratique acheter en bachal yo. Moun ki achete zam à fait ak intention illégal nan contrebande à travers frontières. Manufacturer yo ak distributeur yo négligent parce que yo pas contrôlé ak discipliné channel distribution yo ak point la vente yo. Le yo konnen ke zam a fe yo vend client yo en bachal, compagnie yo dre responsable pour ça yo fait ak mal ke Mexique sibi. Yon nan sib posè Mexique la, c'est Amo Ezi, qui gen zam a fe yo te jwenn nan an pil sen krim mexikèn. Propriété compagnie sa, défend ak tout force pratique la vente li. Genye 19 nan zam mwen yo, ki sou lis ki te vin nan magasin mwen yan. Sa gen 5 l'ane, nou te vend 30 000 zam a fe chak ane. Le ou ale nan kontwa mwen yan, epi ou vle achete yon zam, nap voye information yo bay FB. BI ak ATF. C'est eux même qui dit nous oui ou soit non.
Donc c'est un problème et gentil sont abordé la question trafic drogue dans la région Amérique latine qui sont aux États-Unis et qui a entré dans plusieurs pays notamment Amérique latine et surtout dans pays d'Haïti. Et c'est là qu'on a mettre fin dans le programme. Donc c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Pas oublier nous gain rendez-vous info à 4h mais nous gain tout et ça qui passe Haïti à 12h30. Merci tout le monde Nelson, Jean-Marc Hervé Abela, Williams, merci. Moi c'est Jacques Benzia. Bonsoir. Dis ça parce que la police nationale d'Haïti continue à compter cadavres. Gagné policier, trois policiers UTAG qui perdit la vie ak yon blende la police journée qui c'est et dimanche là. Et trois policiers ça c'est exactement Fermetus Emelin qui fait partie 30e promotion de la police à qu'elle t'a fait. C'est Clovis Peterson qui fait partie 32e promotion de la police là. Et puis que policier Piton Wilkins Jean Junior qui fait partie 31e promotion de la police là. Et bien un policier qui au parle dit que qu'il est même ta même disparaître à côté de policier qui mourir. Encore m'a dit c'est policier Fermetus Emelin, policier Clovis Peterson et policier et Wilkins Piton et bien Jean Junior 31 promotion qui est même disparaître et bien chablendé. Action s'est arrivée dans zone Delma 18 et dimanche non et ces bandits vivent ensemble qui éteignent la vie policier ça yo et qui ont qui disparaît et nèg yo metté difé sous chablendé ça nèg yo boulé cadre policier yo mes amis vidéo choquant et vraiment pas capoter image ça ba nous parce que li pas fait belle pour nous image ça yo est-ce que après ça arrivé hein ni Gary Koni, est-ce qu'elle li comprend et loué ça gen jodia comme insécurité et comme action bandit vivant sans yo? Et nous gravini tout avec PM Koni après qu'elle te gen un malaise dans soirée samedi an, et qui t'a prend sur l'hôpital dans Pétionville, yo exéaté le dimanche ça et li adressé à travers un petit vidéo avec peuple haïtien. Désivenes comme on y est et avant nous qu'elle vienne avec invité nous. L'invitation, c'est tout plaisir pour nous rejoindre ce panel-ci là, pour rejoindre les amis internautes qui branchent tout partout à travers le monde de Blaise Info, Paris Nouvelle, 24 Basse Info, Racine Nouvelle Haïti, Messac Nouvelle, pour qu'on ait qui ça qui est actualité à sous pays d'Haïti. Selon Premier ministre Gary Koni, dans semaine 10 juin, si là, la continue de travail, pressé à conseil présidentiel transition, pour camper un gouvernement inclusif, crédible, pour, moi-même, capable de commencer à faire travail, moi, et tant que j'en peux place, il y a, moi, déjà proposé conseil présidentiel transition, et on liste quelques personnalités, pour former gouvernement moyen, et notre travail, sous liste finale, et personnalité, et secteur, qui s'y est, accord, 3 avril 2024, là, proposé KPTA, Jean ça dit dans l'article 8 et si là que vous entendez non et accord que vous avez gardé l'inspiration qui peut permettre au moins que le gouvernement l'irrive monter dans toute l'équité. Situation insécurité dans tout pays qui est actualité et la police a pratiquement gagné face avec une situation de gros défis pour y'a lever parce que nek examio y a multiplié stratégie pour rendre une plus puissant et c'est ça qui la cause que les policiers ça arrivé perdre la vie malgré divers acteurs qui mandaient révocation et arrestation France LB qui incapable, qui pratiquement utilise comportement laxisme, qui permet que les policiers, par exemple, perdent la vie, par exemple, si on perd la vie, même avec citoyens paisibles dans divers espaces dans l'ère métropolitaine, qui a abandonné pour quitter la caillou. Bandit Axam, qui a opéré sur route nationale numéro 1, dans le niveau canarien, et touillé, et puis quand on est 4 mouns à Kaye, parmi eux, il y a un chauffeur camionnette qui t'a traversé et route là. C'est pendant le week-end, la situation ça a arrivé parce que bandi yo, yo pas ouais, ou pas attendre, ou pas suspendre sous exaction qui a fait sous population civile là. C'est pour ça que la police t'a doué prend responsabilité. Malheureusement, nous, la police, pas suspendre victime sous qui est-ce que population doit compter, malgré président et pays Kenya, William Ruto, déclaré dans 2 semaines que force multinationale que Kenya a bien pour diriger à Tadoué, Rangio, dans le pays d'Haïti, pour venir faire face avec question insécurité à côté des peuples haïtiens, si on va attendre encore les suites. Invité dans l'émission jeudi, c'est Ricardo Fleuridor, c'est une responsable estricte, non pas complice, que nous était comprendre de, alors, qui toujours apprend, nous dirons ça, de gros engagement en d'un pays, monsieur, tout le monde dans la bataille contre question, la Japoto Caribéen, non pas complice, c'est une estricte qui est même toujours prend de engagement, dans faire de dénonciation et dans demander l'État haïtien, dans demander la justice haïtienne prend responsabilité, et qui toujours prend de position tout, et dans la crise pays qu'on est là. Ricardo Fleuridor,
plaisir pour avoir nous dans sous antenne mes sacs nouvelles. Moi avec collaborateur Désir Venesse qui plaisir pour nous recevoir ou dans émission ça vous jeudi. Bonjour, bonsoir Blaise, bonjour, bonsoir Désir, bonjour, bonsoir et toutes fans, auditoires, téléspectateurs et internautes, mes sacs nouvelles. Et son énorme plaisir pour me participer sur grand show ça et me féliciter vous-même avec toutes et PDG Radio ça et médias ça cap ici regarder qui j'ai capable porter participation par tout comme représentant élite médiatique dans diaspora et ça fait me plaisir le fait que moi malgré nous pas dans pays mais continuer à bataille pour permettre que nous en Haïti et côté petit non l'autre monde qui là dans le cas espérer vivre dans un pays qui pas et qui est différent du pays n'a vivre une jeudi. Ricardo, on commence avec ça comme première question pour vous, et c'est ça comme actualité pour Junéan, c'est la mort 3 agents UTAG, et Youn qui disparaît, Negyo et Boule Umblende, Negyo prend Zam policier sa yo, et action sa passe dans Delma 18, m'a dit comme ça, en dans Solino, en dans zone sa yo, ou même comme jeune acteur politique, qui première réaction sur ça? Que monsieur Vivant s'en me pose? Bon, et ça c'est preuve que un phénomène banditiste là et phénomène territoire là est beaucoup plus profond que ça nous comprendre que ça nous entendre et ça c'est preuve tout si monsieur beaucoup plus et tactiquement beaucoup plus on renforcé par rapport avec institution policière nous gagne là parce que ça qui passe là c'est preuve que encore une fois policiers nous ont commencé à épuiser et à battre bas et pour connaître les situations ça arrive et c'est vie monde qui détruit c'est des monde qui te baï temps yo l'institution qui vient servir et pays yo je dis à ouais ça arrive c'est son baï qui douloureux pour pays a et son baï qui doit dire nous tout et ça nous rien là c'est un petit bagay petit et force multinationale là qui aide nous mais c'est pas bon bon volonté politique avec un projet politique qui cadre avec et renforcement institution ça connaître que nous renforcer l'armée, nous remettre l'armée sous des piles, nous renforcer l'institution policière, mon cher, n'a pas commencé après, on tend les bras à aller encore. N'a pas commencé dans sa nuit parce que, bon, pile aspect qui caractérise le phénomène de sécurité, ça nous y a là. Non seulement mauvaise gouvernance, laisser aller, et l'État qui n'a pas responsabilité, le gang qui vient tout dans véritable industrie, et pour jeunes, yon dans le quartier populaire, tellement l'État n'a pas de responsabilité pour te créer l'école professionnelle, pour te permettre que, moun tap viv nan sityasyon sa yo pou pèmèt ke yo gen bon jan ankadriman nesesèk ki repon avèk bezwen yo. Malerezman, ou gon l'Etat man fou ben, ou sot fè 32 mwa avèk on l'Etat la, pa bay la di moun reglan yon pou li, ki te preferè a fè jonksyon avèk mèje sa yo, ou liye ke yo te gade ki meye fason yo ki tap renzam sa yo nan men yo, ou sinon ki meye fason yo te kapap pèmèt ke yo retounen an la vi normal, ou sinon nan prizon zan sa te ya ouè. Depi lòtan de pil prizoni sa yo te pren la ria, nou te atan nou ke, et monsieur Tabal beaucoup plus renforcé que ou affaibli. Ça veut dire pour même là situation ça crée là et l'état montré à clair que et situation insécurité agent en plus on est capable comprendre son bagage comme si qui ca résoudre jeudi à demain il passe ça vraiment parce que Jean montré mené là et surtout regarder Uta qui est même c'est une unité ou monter rapidement unité tactique technique anti gang et pour jeudi hein pour c'est Uta ça qui nous perd la vie dans condition ça est-ce que ça montre que selon même Ricardo Florido résoudre insécurité ça il pas pour demain quel que soit la police ou bien l'armée ou bien et mission cap venir hein travail pour établir sécurité la peine en ghetto, ce n'est pas facile, selon même. Je vais expliquer là. Non, mais, pas oui, on a un pays côté que pas de bon plan aménagement du territoire. On voit, et son pays, tout le monde construit, j'en ai demander l'État à plan, zone sa, policier sa, victime, là, le Kabaoul. On va dire, non, combien de corridors bien là-dedans, combien de bien là-dedans, combien de cailles bien là-dedans, personne ne connaît, on va dire, non, oh, monsieur, dans le territoire, même. Yo maîtrise le territoire, yo par contre se comprend non ou même yo gen façon que yo même yo comprend territoire là ou même ou ap montre dans territoire ou fin fait bataille avec yo d'ailleurs yo nan pigou et problème on garde pour la police a fait tout travail ça pas gen je dis on pas prendre une bataille contre gang et puis c'est police ou ap dans char nan pour al tirer non bagala plus que ça est-ce qu'on garde moyen comment yo bouger qui est sorti police a pas même des hélicoptères pour qui bagala li pas gen d'autant plus que je dis à la, si monsieur ça même, nous en face des mouns là, n'a pas parlé des bandits, n'a pas parlé des gangs, mais c'est parce que c'est des alphabets, et tout le monde,
c'est des vocabulaires que nous utilisons, nous utilisons, mais l'un des mondes prend du monde, l'apprachil, la boule, la boucle en école pour manger. On a fait avec des bandits encore. On a fait avec des mondes qui vendent dans nom, dans diable, dans mystique, pour qu'on n'y pas de problème pour tout le monde, pour mourir toujours. On a fait avec des mondes, ou quand même, c'est des terroristes. C'est l'on est qu'on est le quoi, qui pique pour force, on terroriste gagne. C'est parce que lui-même, il est là qu'on est là pour mourir. Elle dit, ils n'ont rien à perdre. C'est plus vieux bagage qui est arrivé dans la société Blaise. C'est le roi vivre dans la société côté qui un groupe de monde dans la société qui n'ont pas gagné rien pour le perdre. Les gens ne connaissent que l'elle prend la ria, ils cassent tout le business parce que ni cousin le Blaise pas pris rien, ni frère le Blaise pas pris rien, ni ma tante si Jocelyne pas pris rien. Il pas gagné rien pour le perdre, mais c'est comme ça que bandit s'est venu. Et le fait que le connaissent que lui-même bon là, pour un jour quand même, on les joue par là pour lui vivre, que ce soit la police, que ce soit un monde dans le temps qui vous tire. Je parle là, mon li pa gen rien pour pas ça vient fait que je dis à vous garder les mêmes comportements et une chef côté action ça passe à Zidoua qui est tout des monde dans le temps qui était plus ou moins un petit casse distancé de ensemble de action l'autre de groupe dans qui on a posé, mais je dis à là où son monde qui totalement perdu conscience li nan ni son monde qui c'est de sang la vivre là, c'est de vengeance la vivre là et qui pa gen rien à perdre. Et parce que c'est comme ça pour comprendre phénomène sociologique. Et ça, sinon, on ne peut pas arriver à céder, ça revient là. Oui, c'est vrai, Ricardo, vous montrez que c'est pas solution, c'est pas aller à les âmes pour vous avec les gars, qui prêtent pour des solutions, vraiment, c'est plus que ça. Mais est-ce que, j'ai une situation présentée là, et Ricardo Fleuridor, est-ce que les pas mérité une réponse proportionnelle avec Bandi Améo, là, qu'on connaît, ensemble de dégâts, n'est-ce que posé, n'est-ce que déjà tout, il y a plusieurs policiers, depuis là, où tu commencé mouvement, et 29 février, n'est-ce que tu es plusieurs policiers dans le commissariat Bon Repos, n'est-ce que tu crases plusieurs commissaires, ça y a à sous commissariat et le policier mourit tout. Et est-ce que là, Cardo, en nous sérieux et en nous honnête, en sincère, est-ce que nous pas obligés son réponse proportionnelle qui dû, même Jacques Nègre faire là, pour que la police soit capable lui-même et répondre avec Nègre? Non, mais nous pas contre une réponse proportionnelle, sauf que Nabdou, réponse proportionnelle à l'Enartel, faut que nous pas mettre policiers nous tout dans l'état, nous à la guerre, non, c'est comme si. Il faut que les moyens nécessaires pour vous faire pour une réponse proportionnelle ça. Parce que monsieur ça yo m'abdou yo là yo même yo non seulement c'est des stratèges et yo gen des monde qui travaille avec vous. C'est parce que moi même pas minimiser yo qui fait me approche ça avec vous. Yo gen des monde tacticiens qui montre yo technique combat et nous cal plus loin avec vous. Même police yo gen là formation pour vous te battre avec gens de monsieur ça. Moun nou gen là yo c'était bagaille l'armée contre bagaille nous regarder au Brésil dans favela yo. C'est monde ça pour te faire de préparer pour te faire des batailles ça. Quand il y a sous quoi le faire bataille ça, son bataille qui veut calculer, contrôler, et son bataille où de faire avec un pile d'intelligence, ou pas le continuer livrer, timéze, parce que timéze ça, ou de livrer, alors d'accord avec moi, c'est des mouns qui livrer, ou notre nom zone, ou qu'on get apprend, chapran panne, ou pas de mouns qui pote renfort, ou pas le bon monsieur tellement fort, Blaise, le, y a tué policier bon repos yo, yo coupé ou tout côté commissariat, pas de bouquet qui a pote renfort, by commissariat bon repos yo. Par contre, ce que vous m'avez dit là, non? Ça veut dire, puis bon, maintenant, t'es tout que, monsieur qui en face, c'est des gens tellement qui viennent amener, mais yo, comme si c'est des fous, c'est des gens qui contrôlent les périmètres là. Sous si pas qu'on bon contrôle périmètre là pour aller faire bataille avec eux, pour pas livrer, monsieur, parce que ça qui là, il mérite, non seulement il pas mérite, non seulement une réponse proportionnée, non, mais il mérite un message clair, pour plus une fois, pour pas jamais de jeunes qui, ouais, qui maintenant t'es tout mon cher. Là, c'est route pour aller encore parce que vous comprenez que là, depuis là, là, on ne pas bien l'autre route et prison avec l'ambo cimetière Captain. Mais puisque nous pouvons arriver là, il faut que nous fassions là avec un pile calcul. Sinon, nous risquons parce que, mais je sais, mon jeu, je dis à la fois d'avoir.